Alléluia. Alléluia. Ben, bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à nos frères et sœurs. Bonjour à ceux qui se sont joints à nous, par les réseaux sociaux. Nous saluons nos bien-aimés qui vont aussi se joindre à nous plus tard. Nous rendons gloire à Dieu pour ces beaux moments. Alors, frères et sœurs, quoi de mieux que de se tenir debout dans sa présence pour ceux qui peuvent toujours se tenir debout dans sa présence, parce que nous savons que notre Dieu est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement amour, c'est Dieu. Nous ne lasserons pas de le dire parce qu'il est réellement Dieu, véritablement Dieu. En ce soir encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu. Nous voulons lui dire combien il est grand, combien il est fidèle, combien il est digne d'être élevé, combien il nous fait du bien. Nous avons compris que lorsque nous venons dans sa maison, non pas seulement parce que pour ce qu'il nous donne, mais d'abord pour ce qu'il est pour nous. Alors nous avons reconnu que Dieu est le Tout-Puissant. Nous avons reconnu que c'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui a veillé sur nos vies, c'est lui qui nous a donné même de choses que nous n'avons pas demandées. L'Éternel est le Dieu qui pourvoit dans nos vies. Il nous fait du bien aujourd'hui, demain et pour toujours, parce qu'il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Alors s'il vous plaît, nous vous demandons de nous tenir debout pour commencer ces moments solennels devant sa présence. Alléluia. Père éternel, j'élève ma voix encore ce soir. Qui sommes-nous dans ta présence éternelle? Tu nous as choisis, tu nous as appelés des familles lointaines, tu nous as amenés dans ta maison, tu as conduit nos pas en ces lieux. Parce que nous croyons en ton amour, nous croyons en ton amour Seigneur, et nous ne nous lasserons pas de dire que tu es notre Père. Nous ne nous lasserons pas de dire que nous avons tout de toi. La Bible dit c'est par toi, pour toi et de toi que sont toutes choses. Seigneur, merci pour ce moment agréable. Merci pour ce temps précieux. Merci encore Seigneur pour la vie, la capacité. Oh Dieu, nous savons que la Bible nous dit toute capacité nous vient de toi, Seigneur, toute capacité. Alors nous sommes là uniquement pour te dire merci, pour reconnaître que tout ce que nous avons vient de toi, pour reconnaître que le fait de se réunir en ces lieux, c'est dans ton plan, Seigneur, parce que tu fais toutes choses, Seigneur Dieu des armées, avec un but et pour un but éternel. Ce soir, nous sommes là encore, Seigneur. Nous refusons le mécanisme, nous refusons la routine, nous refusons la monotonie. Mais nous venons chaque jour dans ta maison parce que tu as dit rendez continuellement des actions de grâce. Alors voici nos actions de grâce. C'est notre façon de te dire merci. Voici nos cœurs qui s'élèvent vers toi. Voici nos mains, Seigneur, qui t'acclament ce soir. Voici nos cœurs qui s'élèvent, Seigneur. Voici nos bouches qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Voici la foi que nous te montrons ce soir. Éternel, reçois l'honneur parce que tu le mérites. Ensemble avec mes bien-aimés, nous voulons reconnaître ta seigneurie. Ensemble avec mes bien-aimés, nous voulons reconnaître tes bontés que tu ne cesses de renouveler chaque jour dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie d'une famille éternelle. Seigneur, nous voulons t'élever plus haut. Plus haut parce que tu le mérites, mon Dieu. Ces cultes t'appartiennent, ô Dieu. Ces cultes t'appartiennent, éternel mon roi. Règne en maître, règne en sauveur, règne en roi. Règne en ces lieux comme celui qui restaure. Règne en ces lieux comme celui qui envoie son esprit pour nous consoler, pour nous enseigner. Règne en ces lieux comme l'autorité suprême. Règne en ces lieux, éternel, comme roi de rois, comme seigneur des seigneurs. Nous n'avons pas un autre Dieu. La parole déclare avant lui il n'y avait pas de Dieu. Et la Bible rajoute même près de lui il n'y en a pas. Et aucun autre Dieu ne naîtra après lui. Il est le seul digne de louange, digne d'adoration, digne d'acclamation, digne de magnificence parce qu'il est maître. Il est le Dieu fidèle.
fidèle, fidèle est son nom. Alléluia. Merveilleux Jésus, nous te disons merci. Merveilleux Jésus, nous te disons hosanna. Merveilleux Jésus, nous reconnaissons tes bontés. Merveilleux Jésus, nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le sauveur de l'humanité. Regarde ton peuple en ces lieux que tu as mis à part au moyen de ton sang. Seigneur, tu nous as rachetés et nous confessons de nos bouches que tu es Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est un privilège. C'est un privilège. Ce n'est pas à cause de ce que nous avions mangé hier. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons mangé tout au long de la journée, peut-être. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes encore. Alors, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes reconnaissants pour ce qu'il représente dans nos vies, pour ce qu'il est pour nous dans chaque détail de nos vies. Nous savons qu'il est Dieu. Alors, la parole de Dieu dit, en qui ? En Christ Jésus. Alléluia. Par la foi en lui. Ce soir, il s'agit de la foi. Par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Christ en toute confiance. Bien-aimés, sentons-nous libres ce soir. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'audience. Notre Dieu et c'est notre Père. Alors ce soir, au moyen de la foi, approchons-nous en toute liberté. Approchons-nous vers le trône, puisque tu le fais déjà, bien-aimé. Lève ta voix, dis au Seigneur, me voici. Voici mon mari, voici ma femme, voici mes enfants. Voici un frère qui nous suit en ligne en ce moment. Voici, Seigneur Dieu, une sœur qui nous suit en ligne. Père de gloire, nous voulons te reconnaître d'abord toi. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous nous approchons en toute liberté, parce que tu as dit vous connaîtrez la liberté et vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Seigneur, merci, merci parce que nous avons connu cette vérité en Christ Jésus. Et ce soir, mon frère est libre, ma soeur est libre, il y a un papa qui est libre ce soir, Éternel, de s'approcher, Seigneur, en toute confiance devant ton trône des grâces, Père de gloire, parce qu'en toi, nous avons le secours. En toi, nous trouvons le refuge. En toi, nous trouvons le repos. En ces beaux mercredis où, Seigneur, mon frère se dit, je viens dans ta présence. Je viens, Éternel, avec mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, en ces lieux, parce que j'ai entendu parler de toi. Et ce soir, je suis là, papa. Voici ma foi. Voici la foi de mon frère. Bien-aimé, nous allons élever nos voix pour dire à l'Éternel, notre Dieu, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous ne sommes pas de ceux-là qui tombons dans le piège de la routine de chaque mercredi, Seigneur. Mais nous voulons disposer nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, disposer ces temps. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, là où tu te tiens et tu frappes, Seigneur. Ce soir, nous sommes prêts. Nous sommes là, Seigneur, pour pouvoir te voir, te toucher, t'entendre, Seigneur, parce que nous voulons palper ta gloire. Nous voulons palper tes bontés. Merci Éternel notre roi. Tu nous as dit, venez encore, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tu as dit, venez en moi vous tous qui êtes fatigués. N'est-ce pas toi, tu es le shalom d'Israël? N'est-ce pas toi, tu es le shalom de mon frère? N'est-ce pas toi, tu as donné une paix, la paix, Seigneur Dieu, dans le cœur d'une maman, la paix dans le cœur d'un frère qui s'est posé des questions. Mais voilà que le prince de paix est venu. Il a donné la paix. Il a rempli nos cœurs de paix. Nous sommes là ce soir parce que nous nous attendons encore à toi. Oui, il y a un papa qui s'attend à toi, Seigneur. Il y a une sœur qui te suit en ligne, Éternel des armées. N'est-ce pas que tu es partout? N'est-ce pas que tu es l'omniscient? N'est-ce pas que tu es l'omniprésent? Seigneur, touche ton peuple. Ce soir, nous voulons t'offrir nos cœurs. Bien-aimé, parle à l'Éternel, ton Dieu. Nous sommes là, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble parce que le moment est tellement favorable, mon frère, ma sœur. Le temps est tellement favorable. Alors dis quelque chose à ton papa. Inutile de rappeler que Dieu est ton Père. Oh Père Tout-Puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Tu as entendu le cri de ce papa. Tu as entendu
entendu les cris de cette maman qui attend, Seigneur Dieu des armées. Tu attends les promesses éternelles. La Bible nous dit, ta renommée s'est répandue. Seigneur, parce que tu accomplissais de promesses, tu accomplissais, éternel Dieu des armées, et aujourd'hui, tu accomplis encore tes promesses dans la vie de ton peuple. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous soupirons comme des biches après toi. Nous soupirons comme des biches après toi. Oui, Seigneur. Seigneur, écoute la prière de ses frères qui t'a parlé ce matin. Oh oui, Dieu, tu entends la prière. Voilà pourquoi nos familles se réunissent en ces lieux. Tu écoutes la prière. Voilà pourquoi ces bien-aimés ont tout abandonné. Tu écoutes la prière. Voilà pourquoi nous courons vers toi. Le chemin, la vérité et la vie. Oh, c'est en toute liberté que nous nous approchons de toi. Merci parce que ce soir, c'est par la foi que nous croyons que tu vas délivrer, tu vas sortir ton peuple de l'esclavagisme, Seigneur. Tu vas sortir ton peuple de la médiocrité. Tu vas sortir ton peuple, Seigneur, des choses qui retiennent dans son cœur. Éternel, tu es notre roi. Éternel, tu es notre Dieu. Ce soir, nous sommes là. Ceux qui s'approchent de toi, Seigneur, tu le touches. N'est-ce pas, la Bible dit, alléluia. La Bible déclare, vous connaissez comment Dieu a oint d'esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible ne s'arrête pas là. La parole de Dieu nous dit, il parcourait des lieux en lieux. Il parcourait des lieux en lieux parce qu'il faisait du bien. Oh bien-aimé, c'est bien la tombe dans ta vie ce soir. C'est bien là, c'est ici. C'est bien là, c'est dans ta vie. C'est bien là, c'est dans tes projets. C'est bien là, c'est dans ta famille. Oh, c'est bien là, c'est dans tes études. C'est bien, c'est dans ton ministère. C'est bien, c'est dans ta relation avec lui. Ce soir, Dieu veut restaurer. Ce soir, Dieu veut délivrer. Ce soir, Dieu veut faire encore. Oui, nous le croyons. Nous le croyons fermement que l'éternel Dieu des armées, il est le Dieu des délivrances. La Bible déclare, il parcourait des lieux en lieux. Aujourd'hui, c'est les lieu où l'éternel Jésus de Nazareth va faire du bien à une âme ce soir. Je le crois fermement qu'il va faire du bien à une âme ce soir. Parce que Seigneur, tu as dit, demandez, on vous donnera. Seigneur, à qui irions-nous? Nous demandons à toi. À toi, Seigneur. Qui de vous, Seigneur Dieu des armées? La Bible dit, il n'y a qu'un seul qui est bon. On a entendu parler, Seigneur, de toi, que tu es bon. Alors nous voulons goûter à tes bontés. Nous voulons goûter à tes bontés, Seigneur. Quand on te demande un pain, Seigneur, tu ne donnes pas une pierre, Seigneur. Lorsqu'on te demande, Seigneur, du poisson, la Bible dit, tu ne donnes pas un serpent. Et lorsqu'on te demande un œuf, tu ne donnes jamais un scorpion. Parce que tu es Dieu, tu connais le besoin de ton peuple. Un seul est bon, c'est toi, éternel, notre Dieu. Nos familles s'approchent devant toi. Nos familles croient que tu es tout. Nos familles croient que c'est toi qui pardonnes. Nos familles croient que c'est toi qui effaces. C'est toi qui nous sors de la culpabilité. Un frère croit que c'est toi qui délivre. Une sœur croit que c'est toi qui restaure. C'est toi qui as les paroles des filles. C'est toi qui transforme. Alléluia. Ce soir, nous sommes là encore, Jésus. Transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs ce soir. Nous voulons, Seigneur, préparer cette semence, Seigneur, qui va tomber sur une bonne terre. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, s'il y a une partie parfois la plus difficile à dompter, c'est le cœur. Alors ce soir, nous allons venir avec nos cœurs. C'est en confessant de la bouche et en croyant que Jésus-Christ est Seigneur que nous sommes sauvés. Alors ce soir, bien-aimés, présentons nos cœurs à Jésus, croyant qu'il est capable de pardonner, croyant qu'il est capable de restaurer, croyant qu'il est capable de nous tendre la main, que Dieu touche nos cœurs, que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient touchés d'une manière ou d'une autre. Alors présente ton cœur devant le trône, présente ton cœur devant le trône. Alléluia, alléluia. Christ Jésus, voici une famille qui vient à toi, voici un frère qui s'est posé des questions. Oui, tu es amour, tu es le Dieu de restauration, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de bonté. Voici mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur,
parle à tes serviteurs. Nous voulons t'écouter ce soir. Seigneur, touche nos cœurs, s'il te plaît. Même pour un frère qui nous suit en ligne, même ceux qui se sont connectés, ta main n'est pas courte, Seigneur. La même grâce, Seigneur, est répandue sur nos bien-aimés, Seigneur, qui se sont joints à nous via le réseau. La même onction est dans ces lieux. Seigneur, touche nos cœurs. Touche les cœurs de tes serviteurs. Touche les cœurs de service de ce soir. Touche les cœurs, Seigneur. Nos cœurs, nous les présentons à toi. Seigneur, touche encore. Transforme. Transforme, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi. Que ta parole tombe sur une bonne terre ce soir. Que ta parole trouve notre cœur disposé. Que ta parole transforme nos cœurs. Alléluia. Que ta parole, Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'envie de écouter, Seigneur. C'est alors que nous allons prospérer en toi. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es bon. Merci encore, parce que ce soir, tu vas parler à une âme. Ce soir, un cœur est disposé. Ce soir, un cœur est prêt à t'écouter. Ce soir, Seigneur, il y a une maman qui te présente son cœur. Yahweh, le fardeau, c'est toi qui nous décharge de tout souci. Tu as dit, qui de vous peut rajouter une coudée dans sa vie, Seigneur, par ses soucis? Qui de vous? Qui de vous? Alors ce soir, nous avons compris que Jésus est celui qui nous donne la paix et la paix en abondance. Que Jésus est celui qui a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est Jésus qui nous a rachetés à un grand prix. C'est Jésus qui se tient à la porte de nos cœurs et nous voulons qu'il rentre. D'où Jésus entre? D'où Jésus entre dans nos cœurs? Encore une fois ce soir, touche nos cœurs, parce que nul ne rentrera chez lui, Seigneur, sans que tu n'aies fait de cœur à cœur. Touche encore, Seigneur, que nos cœurs soient transformés par ton esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Tu nous as promis que ce n'est pas un mercredi comme les autres. Tu nous as promis, Seigneur, que ce n'est pas un mercredi comme le mercredi passé, ou le mois passé, ou les années passées. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous venons avec nos cœurs comme des âmes, des biches qui soupirent après toi. Alléluia. 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 Nous rendons gloire à l'Éternel, notre Dieu. Ce soir encore, frères et sœurs, qu'est-ce que tu vas dire au Saint-Esprit? La Bible dit, le monde ne le connaît pas. Quel privilège! Nous, nous le connaissons parce qu'il vit en nous. Alors, il est là présent au milieu de nous. C'est un moment favorable. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment favorable ce soir. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit de ta vie. Parle au Saint-Esprit de ton cœur. Parle au Saint-Esprit. Il connaît tes attentes, mais parle-lui. On nous a dit que c'est une personne à qui on peut parler, à qui on, en qui on peut se confier. La Bible nous a dit, approchons-nous avec confiance, en toute liberté, en toute liberté. Alors bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en ces lieux. L'Esprit de Dieu en ces lieux. Si tu attends voir un vent souffler, peut-être que le vent ne soufflera pas, mais crois seulement que l'Esprit de Dieu est là. Crois que le Saint-Esprit t'écoute. Même vous qui nous suivez en ligne, l'Esprit de Dieu est fidèle. L'Esprit de Dieu est doux. L'Esprit de Dieu est présent. L'onction de Dieu est là. Alors ce soir, il y a une onction particulière. Parle au Saint-Esprit, parce qu'il va toucher ton cœur. Parle au Saint-Esprit, parce qu'il a décidé de te délivrer. La Bible dit, lorsqu'on nous accable, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Est-ce que ce soir, une âme peut parler au Saint-Esprit? Il connaît nos besoins le plus profond. Il connaît nos projets. Il connaît la vie de nos enfants. Il connaît la vie de nos maris. Il connaît la vie de nos femmes. Il connaît la vie de nos familles. Parle au Saint-Esprit. Il est réel, bien-aimé. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des... Il était une fois. C'est du réel. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Ramaseke. Alléluia. Le Saint-Esprit coule en ces lieux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière, l'Esprit d'intercession. Il est même l'Esprit de résurrection.
résurrection. Ce soir, il va ressusciter un cœur, il va ressusciter une âme, il va ressusciter des projets, il va ressusciter la santé, il va ressusciter des choses qui étaient enfouies. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il touche ce moment, qu'il touche nos cœurs, que l'Esprit de Dieu nous parle. L'homme de Dieu se tiendra en ces lieux, mais que le Saint-Esprit parle à travers de lui dans ton cœur directement. Souviens-toi de ce que tu lui as dit ce matin. Souviens-toi de ce que tu lui as dit, même en venant en ces lieux. Alors le moment est favorable. Oui, je disais le moment est favorable, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est là. Il écoute nos prières, même lorsqu'on ne sait pas comment prier. Il est là pour nous aider. Il est là pour intercéder avec nous. Merci Esprit de Dieu. Agis comme tu l'as promis ce matin. Agis comme tu l'as promis que ce matin, Seigneur, tu vas toucher ton peuple. Tu vas délivrer ton peuple. Tu vas renvoyer libre les opprimés. Tu vas guérir le malade, Seigneur. Tu vas nous enseigner, Éternel. Et je crois que tu es fidèle. Je crois que tu ne mens pas. Je crois que ta parole est vérité. Ce soir, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, nous croyons que l'esprit de délivrance est là. Ce soir, nous croyons que l'esprit de restauration est là. Oh, ma sanda rebosse, sakeke ma rebacha. Merci, Saint-Esprit de Dieu, zunda brake, yeke ma rebabocha. Comme tu l'as promis, Esprit de Dieu, nous te faisons confiance ce soir. Coule encore, coule, coule, Saint-Esprit, coule encore. Move en ces lieux. Oui, c'est toi qui viens ôter l'incrédulité de nos cœurs. C'est toi qui viens ôter la routine de nos cœurs. C'est toi qui viens ôter, Seigneur Dieu des armées, l'esprit incrédule, papa. Un cœur, Seigneur, qui s'endurcit. Mais ce soir, il est question de ta parole. Par la foi, nous croyons. Nous croyons que tu vas délivrer. Par la foi, nous croyons que tu vas toucher une sœur. Oui, je le crois fermement. Par la foi, je crois que c'est la liberté d'une famille. Mais ce soir, je crois que tu vas toucher un jeune frère qui t'a posé mille et une questions. Et ce soir, c'est son jour. Ce soir, c'est un soir pour lui. C'est une soirée pour lui. Parle à son cœur. Parle à cette femme éternelle qui a des inquiétudes. Alléluia. Tu as dit ne vous inquiétez de rien. Alors ce soir, nous sommes là, Esprit de Dieu. Console le cœur de cette femme. Voici le cœur de cette maman qui a demandé, Seigneur, fais miséricorde, fais grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voici ton église. Yahweh, nous venons, non pas parce que c'est un mercredi, mais nous venons parce que nous avons appris que c'est toi, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu as tout pour nous. Merci de nous enseigner. Merci de nous parler. Merci de toucher nos cœurs. Merci de saisir, Seigneur, nos vies. Alléluia. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Ceux qui sont en mesure de parler en langue, le temps est favorable. Lève encore ta voix. Si tu vas te tenir debout, si tu vas te coucher, oh, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Tu vas tomber dans le piège. Alors parle au Saint-Esprit en tapant les mains, en tapant, oh, mandarebo, en tapant les mains, en tapant les mains. Parle au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en ces lieux. Bouge, frères et sœurs, bougeons encore. L'Esprit de Dieu en ces lieux. L'Esprit de Dieu au rendez-vous. Il est au rendez-vous pour des cœurs disposés, pour des cœurs qui sont prêts à l'écouter, pour des cœurs qui sont prêts à écouter. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Laisse-toi envahir par le Saint-Esprit. Parle-lui encore. Parle-lui au sujet de ton frère. Parle-lui au sujet de ta maman. Parle-lui au sujet de ton mari. Parle-lui au sujet de ta femme. Parle-lui au sujet de tes projets. Parle-lui au sujet de ta grossesse. Parle-lui au sujet de tes plans. Parle-lui au sujet de ta famille. Il est Dieu. Il sonde tout. Il connaît tout. Mais parle-lui. Quel privilège de parler à l'esprit de vérité. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il s'agit du Saint-Esprit. La promesse qui nous a été faite par le Père. Il va apprendre ce qui est du Père et nous le communiquera. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce soir, il est au rendez-vous. Aïe, 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 il est au rendez-vous ce soir. Ce soir, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Nous te faisons confiance. Libère ta présence. Libère ta présence. Agis comme maître.
agis comme chef en ces lieux. Esprit des dieux, nous nous soumettons à toi. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Nous croyons que tu es l'Esprit du Père. Nous croyons que tu es en ces lieux parce que tu as décidé de faire du bien à un frère. Tu as décidé de faire du bien à une sœur. Tu as décidé de faire du bien à l'église Sénat, à toutes les extensions de Sénat. Tu as décidé à faire du bien à l'église corps de Christ. Nous te disons merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Esprit de vérité, Esprit de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, l'homme de Dieu nous a exhorté les dimanches. La constance avec le Saint-Esprit, il est capable de nous rendre constants. Et il a dit, priez, ne vous relâchez pas. Prions encore, bien-aimé. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu vas intercéder pour un frère qui est à tes côtés, une sœur qui est à tes côtés, tu dis, nous nous attendons à toi. Et moi, et mon frère, et le papa qui est à ma gauche, la maman qui est à ma droite, les frères qui est derrière moi, la sœur qui est devant moi, nous venons comme des biches qui soupirons après toi. Nous sommes là, Esprit de Dieu. Ce soir, il est question de toi. Nous avons la foi. Nous croyons que tu vas délivrer. Nous croyons que tu vas encore briser le joug qui se tient devant nous. Nous croyons que tu vas briser le chaîne qui nous retient dans la méchanceté, dans l'incrédulité, Seigneur, dans la désobéissance, dans la fatigue, dans la négligence, Seigneur. Nous demandons l'esprit de délivrance ce soir. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit. Ne te fatigue pas. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Nous croyons en sa puissance. Nous croyons que c'est lui qui brise les joues. Même les verrous de fer, c'est lui. C'est lui. Il est capable de briser même les portes de rein. Il est Dieu. L'Esprit de puissance. L'Esprit de force. L'Esprit de Dieu délivre ton peuple. Tu l'as promis. Et nous croyons que tu peux le faire. Nous croyons que tu le fais déjà. Oh Seigneur, merci parce que tu as commencé déjà. Tu as commencé à toucher. Tu as commencé à toucher. Merci pour des délivrances. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. Touche encore. Touche encore. Touche encore, Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Bien-aimé, la Bible déclare. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui parcourait, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Est-ce que nous savons que c'est ce soir qu'il veut nous faire du bien? Il peut parcourir, il a agi hier, mais aujourd'hui encore, Jésus agit. Alors ces lieux-là, c'est aujourd'hui. Ces lieux-là, c'est en ces lieux. Ces lieux-là, c'est dans ton cœur. Crois seulement. Il s'agit de la foi ce soir. Aïe, aïe, aïe. Il s'agit de la foi parce qu'il va délivrer. Est-ce qu'on peut encore lever nos voix pour dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Alors ce soir, je veux te voir. Ce soir, je veux goûter à ta force, à ta puissance, à ta grandeur. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Élevons nos voix encore ce soir. Disons au Saint-Esprit, l'Éternel, tu es le Dieu de délivrance. Lorsque, Seigneur, les enfants d'Israël étaient en captivité, tu as envoyé, Seigneur mon Dieu, et tu as délivré ton peuple, Seigneur. Tu as englouti les chevaux, Seigneur, le cavalier, tu les as engloutis, et tu as donné la victoire à ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, ce soir nous croyons, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est le Dieu d'aujourd'hui qui délivre son peuple. Lorsqu'on y est accablé, il délivre son peuple. Lorsqu'il est affligé, il délivre son peuple. Voilà pourquoi nous venons encore à toi. Oh Dieu, manifeste-toi. Tu es le rocher d'un frère. Viens, viens, brise encore le joug. Brise encore le joug. Sors ton peuple de la captivité. Sors ton peuple de la prison. Sors ton peuple. Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut taper nos mains parce que l'Esprit de Dieu est en ces lieux? Est-ce qu'on peut prier en tapant les mains parce que l'Esprit de Dieu est en ces lieux? Bien-aimés, sentons-nous libres. Ce soir, nous avons dit avec confiance, nous nous approchons du trône. Tapons les mains, marchons, sens-toi libre. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Parle-lui encore, frères et sœurs. Parle-lui, parlons au Saint-Esprit. Il est présent en ces lieux. Seigneur, merci.
Merci pour l'onction des délivrances. Merci pour l'onction des délivrances. N'est-ce pas que tu guéris le malade? Seigneur, agis tel que tu as promis. Tel que tu as promis. La Bible me dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle, non pas comme un slogan, mais il est fidèle parce que nous l'avons vu agir. Il est fidèle parce que nous l'avons palpé. Il est fidèle parce qu'il a touché la vie d'un frère. Il est fidèle parce qu'il a transformé la vie d'un jeune. Il est fidèle, il a délivré une jeune sœur. Il a délivré un papa. Il a délivré, il est Dieu. Nous croyons qu'il est le Dieu de délivrance. Seigneur, merci encore pour ce mercredi. Merci pour ton onction. Nous croyons que tu es le Dieu tout-puissant. Voici, Seigneur, ces familles qui viennent à toi, ô Dieu. Ensemble, nous sommes là. Nous sommes là encore ce soir. Nous avons entendu parler de toi. Seigneur, même Job a dit, j'ai entendu. Alors mon frère aussi a entendu. Peut-être c'est la première fois qu'ils viennent en ces lieux. Mais Dieu, tu es un Dieu qui est derrière sa parole. Tu n'es pas un homme. Tu accomplis ta parole. Telle que tu l'as dite, c'est comme ça que tu vas agir, Éternel. Derrière ta parole, tu agis. Tu es le Tout-Puissant. Nous sommes à toi, Papa. Hosanna, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre rempart. Alléluia. 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 Frères et sœurs, David a dit quelque chose d'intéressant dans la Bible. Il a dit pour moi, parce qu'il ne sait pas si son voisin ou sa voisine, comment était le sort. Mais il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors si ce soir, t'approcher de Dieu est ton bien, parce que le bien, c'est le bonheur en fait. En Christ, nous avons le bonheur. Lorsque je m'approche de Dieu, je trouve la paix. Pour des soirées comme celle-ci, pour des soirées comme des mercredis comme celui-ci, tu t'es dit, je veux m'approcher. Au début, on nous a dit, approchons-nous avec liberté, en toute confiance. Alors David a dit, m'approcher pour moi. Pour moi, je ne sais pas, tu peux mettre ton nom, mais tu dis, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Si m'approcher de Dieu, c'est mon bien, alors Seigneur, fais-moi voir ce bien. Je veux goûter ce bien. Élevons encore nos voix. Oui, élevons nos voix. Vous faites bien de dire à Dieu, tu es le Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Pour moi, m'approcher de toi me fait du bien. Venir dans ta maison me fait du bien. Prier dans ta présence me fait du bien. Écouter ta parole me fait du bien. Seigneur, venir dans la maison de transformation me fait du bien. Seigneur, disposer mon cœur pour toi me fait du bien. Parce que tu me délivres des angoisses. Tu me délivres de la peur. Tu me délivres de soucis. Tu me délivres des fardeaux. Tu me délivres de la peur. Et ce soir, il est là pour toi. Il est là pour nous. Quel Père merveilleux. Hosanna, alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est digne d'acclamation. J'aime acclamer l'Éternel. J'aime danser pour l'Éternel. J'aime louer l'Éternel. Parce que la Bible dit, louer l'Éternel selon l'immensité de sa grandeur. Selon l'immensité de sa grandeur. Hosanna, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Hosanna. Tu fais bien de l'acclamer, tu fais bien de l'acclamer. Pourquoi ne pas continuer à élever son nom? Pourquoi ne pas continuer à bénir son Seigneur en ces lieux? Pourquoi ne pas continuer à le louer? Pourquoi ne pas continuer à le célébrer? Car il en est digne, il en est digne. Il en est digne, il en est digne. Mélodie venue. Un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent son. Merveilleux, tous les anges,
ce lieu, remplis ce lieu ton éclat. Tu règnes pour toujours. Tu règnes.
jamais. Oh Shiloh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yes, tu règnes à jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes à jamais. Alléluia, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux me dire qu'il règne à jamais ce soir? Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Père éternel. Tu règnes à jamais, Seigneur. Ton règne est éternel. Ton trône est éternel. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jusqu'à ce qu'il y ait que tous les autres noms disparaissent. Shiloh, oui, prends ta place ce soir. Oui, prends ta place ce soir. Que tous les autres noms disparaissent. Que la pauvreté ce soir disparaisse. Que la stérilité en ce lieu disparaisse. Que cette maladie en ce lieu disparaisse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce soir? Que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. Que la maladie disparaisse, disparaisse, disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Que la culpabilité disparaisse, disparaisse, disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Dans ma famille, prend ta place. Jésus 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 prend ta place. Dans ma situation, prends ta place. Jésus prend ta place. Dans ma famille, prends ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. 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 Yahweh prend ta place. Jésus prend ta place. Yahweh prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Est-ce que tu peux me dire cela ce soir? Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence en ce lieu ce soir. Oh Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous sentons ta présence ce soir. Nous sentons ta présence ce soir. Merci Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous te disons merci. Mon espoir,
Que Dieu puisse glorifier son nom ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai oublié de présenter, c'était mon épouse qui vient chanter avec moi. Hein? Tu peux te tenir debout, on va bien te voir. Maman Lydie, amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de Luc. Luc au chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé et en toi j'ai mis mon affection. Amen. Je voudrais rapidement partager sur le sous-thème comment prier pour maintenir le ciel ouvert. Comment prier pour maintenir le ciel, ou je dirais plutôt
son ciel. Il est possible d'avoir un ciel ouvert et le voisin qui est à tes côtés marcher sous un ciel fermé. Le ciel ouvert n'est pas une expérience collective. Quoique dans une communauté, ça peut être la pensée de Dieu, ce que Dieu veut accomplir. Mais de manière individuelle, ça peut être quelque chose que chacun doit désirer expérimenter. Comme Jésus, il a opéré sous un ciel ouvert. Et on l'a vu, comment est-ce que le ciel était fermé autrefois, jusqu'au jour où il est venu devant Jean. On a vu les quelques clés, les principes pour que son ciel s'ouvre. Il s'est d'abord humilié devant le ministère de Jean. Nous avons vu comment est-ce que il respirait la crainte de Dieu. Il avait aimé la justice, haï l'iniquité. Comme la parole le dit, Dieu l'avait oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. On a vu également qu'il a prié, que la prière était une clé, une des grandes clés, un des grands secrets pour ouvrir le ciel. Et en parlant de la prière, il y a un autre texte dans le livre de Jacques, à partir du verset 18, on nous dit qu'Élie était un homme, voyez-vous, de la même nature que nous, mais il pria avec instance pour que le ciel se ferme, parce qu'il y avait un problème en Israël, et par sa prière, Dieu a fermé le ciel, et 3 ans et demi après, il est venu à nouveau, et il a prié Dieu avec instance, et le ciel s'est ouvert. Et si on parle d'Élie, ça veut dire que Élie était comme toi, Élie était comme moi, un homme avec aussi bien de qualités que des défauts, avec des forces et des faiblesses, un homme comme toi et moi. Mais la différence, c'est qu'il a prié avec instance. Il a prié, on a vu en parlant de Corneille, c'est qu'il priait continuellement. Il avait une vie de prière non-stop, une vie à tout moment, une vie de prière persévérante. Il persévérait dans la prière. Il était tenace. Il priait avec violence parce qu'il s'attendait à voir, n'est-ce pas, un exaucement de la part de Dieu. Et Christ a prié. Mais ce qui m'étonne, ce texte qu'on a vu, Jésus a prié et ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Mais vous allez voir que tout au long de sa vie sur terre, tout au long de son ministère, Jésus a maintenu la vie de prière. Pourquoi il n'a pas seulement prié le jour du baptême et il a arrêté de prier? Et tout le temps après, on vous parle de Jésus qui priait, Jésus priait, Jésus priait. On va le voir. Et j'ai noté quelques points rapidement que nous allons rapidement toucher avant de prier. Parce que nous sommes là pour prier, puis prier pour certains cas. Première chose que nous voulons noter, c'est que tu as besoin de la prière, n'est-ce pas, quotidienne pour une survie quotidienne. Pourquoi Jésus priait malgré le fait qu'il a prié que le ciel était ouvert? Parce qu'il avait besoin d'une prière quotidienne pour une survie quotidienne. En d'autres termes, si tu ne pries pas quotidiennement, tu ne pourras pas survivre quotidiennement. Chaque jour, il y a des défis. Chaque jour, il y a des challenges. Chaque jour, il y a des obstacles. Chaque jour, il y a des difficultés. Chaque jour, il y a des problèmes auxquels on fait face. Et pour avoir la force d'affronter et de vaincre, de soumettre ces problèmes, la prière doit devenir une habitude, une coutume. Quelqu'un, quelque part, on parle, Jésus sortait pour prier comme c'était sa coutume. C'est-à-dire, c'était son habitude. Il avait la coutume, l'habitude de sortir et pour prier. Alléluia. Prenons Marc au chapitre 1er. Regardons ce qui est écrit ici, dans ce premier point. Marc au chapitre 1er, le verset 32 au verset 35. La parole de Dieu dit ceci. Le soir après le coucher du soleil, on lui emmena des malades et des démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Donc là, nous voyons que le ciel était ouvert pour lui, n'est-ce pas? Il chassa beaucoup de démons. Et il ne permettait même pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Verset 35. Vers le matin,
Donc il a fini ce service, il a fini de travailler, il a fini d'exercer le ministère. On nous dit vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On nous parle de Jésus, un homme sans péché, sans défaut, sans tâche, mais il avait savait qu'il ne pouvait pas continuer à opérer, à vivre sous un ciel ouvert s'il ne se maintenait pas dans la communion et dans la relation avec Dieu au travers de la prière. La prière, c'est le moyen qui nous permet d'être en communion avec Dieu constamment. Voilà pourquoi il est écrit « Priez sans cesse ». Il sortait tôt le matin. Il sortait à l'aube et il pouvait commander la journée. J'ai constaté que lorsqu'on se lève très tôt, oh, pour prier pour la journée, on a la maîtrise des événements. On a la maîtrise de tout ce qui pourra arriver comme défi, comme difficulté, comme problème. Bien aimé, les jours ne se ressemblent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des jours où vous avez l'impression que ça va, mais d'autres jours, c'est comme si rien ne marche. Rien ne va au point où vous pouvez être stressé, burn-out. Avoir un burn-out, pourquoi? Parce que tellement de choses qui arrivent. Mais le secret de Jésus, qui n'avait jamais craqué face à n'importe quelle situation, c'est qu'il sortait tôt et il priait. Et c'était sa coutume et c'était son habitude. Seigneur, donne-moi d'avoir l'habitude de sortir tôt. Donne-nous la coutume de prier quotidiennement. Parce qu'on a besoin de la survie. Toute personne qui refuse ou qui ne prie plus mourra spirituellement. C'est la prière qui nous maintient en vie, qui nous donne la vie de l'esprit, la vie spirituelle. Et tu ne peux pas être un homme et une femme spirituelle si tu n'es pas un homme ou une femme de prière. Ce n'est pas possible. Amen. 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 Tôt le matin, cherche Dieu. Que Dieu soit ta première priorité. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire les intérêts du royaume. Connaître la volonté de Dieu. Les disciples ont dit, mais enseigne-nous à prier comme les disciples. Plutôt Jean enseigne à ses disciples. Il dira, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pas hier, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, notre pain quotidien. Tu as besoin d'un pain quotidien. Tu as besoin au jour le jour de dépendre de Dieu. Et la prière nous permet d'avoir une vie de dépendance vis-à-vis de Dieu, le Père. Deuxième raison pour laquelle il faut prier pour maintenir son ciel ouvert, c'est que la prière est comme l'oxygène dont on a besoin pour nos poumons. Si je pose la question ici, qui ne respire pas? Personne ne va me répondre parce que nous tous nous respirons, n'est-ce pas? Nous inspirons et nous expirons. Tu inspires l'oxygène et tu expires, comment on appelle ça encore? Le CO2, c'est ça? Voilà. Donc, ça te permet de te maintenir. Et la prière est notre oxygène. C'est la raison pour laquelle, dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit « prier sans cesse ». C'est-à-dire, tu dois avoir une vie où tu es dans une attitude de prière. Tu peux être au travail, tu peux être en train de faire quoi que ce soit, mais que ton esprit soit toujours conscient de la réalité de Dieu et que tu sois prêt à être transporté si l'esprit t'y emmène. Voilà pourquoi nous prions par l'esprit. Nous ne prions pas seulement par l'intellect. Nous ne prions pas seulement parce qu'on a envie de prier. Parce qu'il y en a des fois, il arrive des moments où tu ne sais pas quoi dire dans la prière. Ça vous est déjà arrivé? Tu veux prier, mais tu ne sais pas quoi dire. Paul dit, de même l'esprit nous aide dans notre faiblesse, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 8, il dit, car nous ne savons que demander dans nos prières, mais l'esprit intercède par des soupirs inexprimables.
Et j'aime un texte où l'apôtre Paul invite les chrétiens à prier par l'Esprit. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous lisons le verset 18. Il est dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici la recommandation de l'apôtre Paul. Et de faites en tout temps, dans le temps de joie, tout comme dans les temps de tristesse, dans le temps de bonheur, comme dans les temps de malheur. Il dit, si quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante les louanges. Et la prière, et chanter les louanges, tout ça, c'est dans le lot de la prière. N'est-ce pas? À tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Pourquoi? Parce que le diable cherchera à ravir ta joie une fois que ton ciel est ouvert. Avoir ou vivre sous un ciel ouvert ne veut pas dire ne plus connaître de problèmes, ne plus avoir des problèmes. Certes, les problèmes arriveront. Il y aura toujours des problèmes qu'il faut résoudre, mais je ne le résous pas de la même manière. Amen. Là, je suis sous un ciel ouvert. Quelqu'un peut dire avec moi, ciel ouvert. Ciel ouvert. Faites par l'Esprit. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Oh, surtout si Dieu, si vous avez ce don de parler en langue, oh, habituez-vous à prier en langue, à parler en langue. Des fois, tu ne sais pas quoi dire, mais seulement ronde rebosse, et tu pars, et tu pars, et tu pars, et tu te laisses emporter comme par des vagues. Le problème, c'est qu'on aime réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire après ça? Après ça, je vais dire quoi? Non, je me laisse. Tu peux même dire à Dieu, je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Comment? Je ne sais pas prier. Emmène-moi dans les profondeurs de ton cœur. Je ne sais pas prier, mais attire-moi là où tu es. Je n'arrive pas. Mais la Bible déclare ceci: nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route vivante et nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair, c'est-à-dire son sang a coulé, le mur de l'inimitié a été brisé, rompu. J'ai accès libre. Dis Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas le chemin, mais Saint-Esprit, tu connais le chemin. Emmène-moi dans le cœur de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui priera toujours par l'Esprit, parce que le ciel est ouvert. Tu ne connaîtras jamais d'échec. Jamais. Même si tu connais un échec, ton échec sera transformé en réussite, en succès. Pourquoi? Amen. Parce que l'Esprit ne souffre jamais. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Et lorsque tu pries par l'Esprit, tu peux en être sûr. Peut-être hier, tu as fait les choses par la chair, mais il va t'aider à réparer les dégâts. Comment? Et à vivre et à prier. Et à prier par l'Esprit et à vivre par l'Esprit. Et là, c'est la réussite. Là, c'est le succès. Oh, c'est mon oxygène. Dis avec moi, la prière est mon oxygène. La prière est mon oxygène. Oh, est-ce que tu peux le déclarer encore? La prière est mon oxygène. La prière est mon oxygène. Alléluia. Amen. Prie, prie sans relâche. Troisième raison pour laquelle il faut prier. Il faut prier parce que Satan cherche à te cribler. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22, nous lisons le verset 31 au verset 32. Regardez ce qui est écrit dans Luc au chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est Jésus qui parle. Bien aimé, quelqu'un pouvait ne pas quelqu'un pouvait ne pas comprendre la dimension du combat spirituel. Tu peux être sous un ciel ouvert, mais cela ne veut pas dire que Satan ne va pas t'attaquer. Sous le ciel ouvert, Jésus conduit par l'Esprit dans le désert, il rencontre Satan pour être tenté. Le ciel était déjà ouvert. C'est-à-dire, même quand le ciel est ouvert, Satan est là.
Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'ils ont vaincu Satan hier, ça veut dire que c'est fini, non plus à lutter. Bien aimé, quand Satan arrive à vous arriver à le vaincre, la Bible dit, il se retire et il revient à un autre moment, à un moment favorable. Il ne se retire jamais pour de bon. Ah, mais je ne comprends pas, je suis toujours attaqué. Mais c'est normal. Tu as réussi à vaincre pendant un mois, il est parti, il t'a laissé un peu de temps de répit, il revient à la charge. Mais sous le ciel ouvert, tu dois comprendre que même quand il revient à la charge, mon arme, oh, l'arme la plus redoutable que Satan n'aime pas, c'est la prière. Il peut te laisser faire beaucoup de choses, mais quand tu prends des décisions pour prier, c'est là que tu commences à sentir des choses bizarres. Tu sens des fatigues, tu sens des envies bizarres. Tu te dis, bon, je vais prendre un temps de retraite. Bizarrement, il y a des choses qui arrivent pour que tu ne te mettes pas en retraite. Pourquoi? Parce qu'il connaît le pouvoir, l'impact qu'il y a derrière la prière. Alléluia. Satan vous a réclamé. Bien aimé, s'il arrive souvent qu'il nous réclame dans bien des domaines. Il a réclamé la vie de Job. Il peut te réclamer. Il peut réclamer ta santé. Il peut réclamer ta famille. Il peut réclamer ta vie. Il peut réclamer la vie de tes enfants. Il peut réclamer ton église. Il peut réclamer tes affaires. Il peut réclamer ton avenir. Il peut faire en sorte que tu n'aies plus de rêve avec Dieu. Que tu vis, tu deviennes une personne morte qui n'a plus d'espoir et d'espérance. Il réclame de plusieurs manières. Mais face aux réclamations, voici une arme que Jésus nous a laissée. La prière. Quelqu'un dit avec moi, la prière. La prière. Oh, quelles que soient les armes de Satan contre ta vie, quelles que soient les réclamations. Oh, dans ma famille, on nous réclame. Je ne dis pas que les réclamations n'existent pas. Ça existe, les réclamations. Mais j'aimerais dire que la puissance de la prière est au-dessus des réclamations sataniques. Oh, on a dit que dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on n'avance pas, on ne réussit pas. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Là, c'est les alliances, la voie des alliances. Mais j'aimerais te dire, dans la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, a coulé à la croix, au poteau de la croix. Et ce sang est capable d'annuler les condamnations, d'annuler les malédictions. Il a effacé l'acte avec les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en le clouant à la croix. Come on. La prière va briser. Aujourd'hui, on va attaquer les réclamations. Dis avec moi, on va attaquer. On va attaquer. On va remuer les fondements. Oh, ce qui n'arrivait pas hier, à partir d'aujourd'hui, ça doit arriver. Il va y avoir un shift. Il va y avoir un changement. Yes. Il y aura un avant et un après. Yes. Tu ne peux pas prier que ta situation reste la même avant. Non, tu es rentré dans une certaine dimension, dans un certain état. Tu sortiras dans un autre état. Un état d'exaucement. Un état où Dieu va intervenir dans ta vie. Intervention spéciale, rapide, venant du ciel. Le diable veut te cribler pour te faire échouer, pour faire échouer ta vie. La prière va te faire réussir. Tu vas monter, tu vas réussir au nom de Jésus. Oh oui, Dieu a dit dans sa parole, nous ses enfants, nous sommes destinés à être la tête et non la queue. En haut et non en bas. Il a dit, il n'y aura point de femmes stériles au milieu de vous. Je m'en moque de ce que les médecins ont dit. Je m'en moque des constats. Mon Dieu a dit, il n'y aura pas de femmes stériles. La prière va agir comme dans la vie de Anne. Anne a été déclarée stérile. Elle a été déclarée stérile à plusieurs fois. Mais la Bible déclare, lorsqu'elle a prié, elle va déclarer, même la stérile, enfante cette fois. Je t'annonce de la part de Dieu, la saison de l'enfantement va arriver. Amen. La saison de la fécondité arrive, la saison de la productivité à l'extrême. Oh, j'aime ce quand Dieu dit à Abraham, je te rends fécond à l'extrême. Oh, quand Dieu donne, il ne donne pas un peu, il donne toujours à l'extrême. Ça sera trop, beaucoup, beaucoup, trop. Come et on. Qu'il remplisse ta vie. Alléluia. Quatrième raison, il faut prier pour survivre pendant les moments difficiles. Ah oui. Malgré le fait que le ciel était ouvert, Jésus a rencontré. Jésus, il a reconnu l'agonie à Gethsémani.
Gethsémané existe. Le passage d'un niveau à un autre, d'une dimension à une autre, nous fait toujours passer par Gethsémané. Gethsémané représente la vallée de Baca, la vallée de pleurs et de larmes. Gethsémané représente la vallée de l'ombre de la mort. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dans cette vallée, on ne demeure pas, mais on traverse. Ok, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Dans cette vallée, on ne prend pas une chaise pour s'asseoir et dit bon, voici mon terminus. C'est un lieu de passage. C'est-à-dire, les temps difficiles arrivent, mais ce n'est pas éternel. C'est un des temps de passage. Je suis venu dire à quelqu'un, le moment difficile va passer. Le moment de souffrance va passer. Yeah. Le moment de larmes va passer. Le moment de questionnement va passer. La raison pour laquelle Paul dira ceci. Dans Éphésiens 6, versets 10 à 12. Il dira au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez plutôt toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, il y a de mauvais jours. Enfant de Dieu, que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce qu'on vient prier, ce n'est pas parce qu'on nous déclare des choses que les mauvais jours n'arrivent pas. Si les mauvais jours arrivent, ils arriveront. Si tu l'as déjà connu, mais si tu n'as pas connu, tu les connaîtras. Mais sache que même pendant le mauvais jour, tu es sous un ciel ouvert. Et la prière est justement cette force qui te permet non seulement de tenir pour te dire je ne lâche pas, je n'abandonne pas, je ne recule pas, parce que la prière c'est le ventre de la foi. La Bible dit il faut prier par la foi, n'est-ce pas? La prière de la foi, la prière de la foi, même pendant des moments difficiles, c'est une prière qui va faire ce que tu traverses ce moment difficile et que tu arrives de l'autre côté. Malgré la présence de Gethsémané, Jésus n'a pas reculé. Sa volonté était confrontée à celle de son Père. Il était face à la mort. Il a vu la méchanceté des hommes. Mais il savait en même temps que c'était la volonté de Dieu qui passe par là. Et qu'au-delà de la croix, au-delà de Gethsémané, il y avait une couronne qui lui était réservée. Bien-aimé, je m'aurais dit, quand le ciel est ouvert, toutes les difficultés que tu rencontres, en réalité, ce sont des passages à un niveau supérieur. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, ça peut être la maladie, ça peut être une épreuve difficile. Tu cries à Dieu, tu as l'impression, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Mais Dieu est en train de te préparer à une autre dimension de gloire. Car il dit, les souffrances du temps présent ne sont être comparables à une gloire à venir qui sera révélée, manifestée. Oh, à quelqu'un qui souffre ici, je te parle de la part de Dieu. Il y a une gloire beaucoup plus supérieure que Dieu te réserve. Amen. Il y a une gloire beaucoup plus supérieure. Il y a une nouvelle dimension à laquelle Dieu veut t'introduire. Amen. Voilà pourquoi reste focus, reste dans la prière. Parce que lorsque le ciel est ouvert, il est possible de passer par des moments difficiles. Amen. Amen. Dernier point. Comment prier? Maintenir le ciel ouvert. Tu dois prier pour vaincre la peur. C'est mon dernier point et puis nous allons prier. Prier pour vaincre la peur. Bien-aimés, chacun de nous, nous avons des peurs à quelque niveau que ce soit. Je ne sais pas pour toi, ma peur ne peut ne pas être ta peur. Mais il y a des choses certainement qui te font peur. Tu as la crainte. Jésus face à la mort, son âme est troublée. Mais c'était la foi dans son Père, la confiance, l'intimité qu'il avait dans son Père, dans la prière qu'il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Face à la peur, tu as besoin de prier. Pourquoi la peur arrive? Parce que la peur vient pour te paralyser et t'empêcher d'agir. Quand on est sous le ciel ouvert, on n'est pas là simplement en train de contempler, oui, c'est ma saison du ciel ouvert. Non, quand le ciel s'ouvre, c'est pour travailler. Quand le ciel s'ouvre, c'est pour agir. Quand le ciel s'ouvre, c'est pour conquérir des territoires.
voir. Come on. Oh, tu n'as pas donné un bon amen. Come quand on. Le ciel s'ouvre, c'est pour aller prendre ce que le diable t'avait volé depuis des années. Nous allons contre toi, revêtus de la puissance d'en haut, et pour arracher ce que le diable t'a volé. Amen. Amen. Quand le ciel s'ouvre, tu deviens un dangerous man, une dangerous woman. Oh, quand le ciel s'ouvre, tu commences à réaliser des projets. Quand le ciel s'ouvre, ne sois pas là à regarder, à contempler. Dis-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelle action je peux mener aujourd'hui? Quel projet je peux mettre en place aujourd'hui pour demain? Oh, quand le ciel s'ouvre, les apôtres n'ont pas, ne se sont pas assis pour regarder l'esprit tomber les uns les autres. Oh. Ils savaient que l'esprit était descendu pour qu'ils entrent dans la mission, pour qu'ils entrent, qu'ils aillent à Jérusalem. Prêchez la parole. Bien-aimé, quand le ciel est ouvert, tu ne restes pas assis. Aide-moi à dire à ton voisin, ne reste plus assis. Ne reste plus assis. Oh, tu ne lui dis pas, regarde l'enfant, dis-lui, ne reste plus assis. Ne reste plus dis-lui, assis. Dis-lui, fais quelque chose. Fais quelque chose. Dis-lui, travaille. Travaille. Dis-lui, fais des projets. Fais des projets. Prêche la parole. Prêche la fais parole. La mission. Fais la mission. Bâtis des œuvres solides. Bâtis des œuvres solides. C'est ça. Alors, tu vas voir maintenant, quand tu veux te lever. Oh, c'est là que l'adversité aussi. Quand Pierre, l'esprit est descendu, les gens ont commencé à dire non, ils sont ivres. Pourquoi? Il y a des gens qui vont chercher à vous intimider. Ce qui amène la peur, c'est l'intimidation. Il y a des Goliath qui se lèvent pour t'intimider. Il y a des situations, il y a des limaces, des barres Jésus qui se lèvent pour dire tu n'y arriveras pas. Mais Dieu te dit tu vas y arriver. Je suis venu dire à quelqu'un qui est là, quelqu'un qui me suit en ligne, tu y arriveras, ça marchera. Amen. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je te dis reçois. De la part de Dieu, ça arrivera, ça marchera. J'avancerai. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Oui, les montagnes viennent pour t'intimider, mais j'aime la Bible. Lorsque tu commences à prier, la Bible dit, Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force. Son esprit nous remplit de force. Alléluia. C'est un esprit de force pour affronter les montagnes. Les montagnes vont tomber. Amen. Oh, les montagnes, je te parle prophétiquement. Yeah. Je le déclare dans ta vie. Peu importe les montagnes qui ont été érigées depuis des générations, depuis des siècles, ces montagnes vont tomber. Comme. Ces montagnes vont tomber. Ce soir, va s'écrouler. Je dis, ça s'écroule déjà. Ce soir, au son de ma voix, yeah. Au nom de Jésus. Au nom de on Jésus. A dit, tu ne réussiras pas. C'est une montagne. Dans le monde spirituel, c'est une parole qui était suspendue. Mais au son de ma voix, ces montagnes sont renversées. Amen. Oh, tu ne dois plus vivre dans la peur. Tu ne dois plus vivre dans l'intimidation. Non. Même Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, ne soyez pas effrayés devant cette grande multitude que vous voyez, comment? Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée, tu ne le reverras plus jamais. Non. Parce que le ciel est ouvert, parce que le ciel est ouvert, tu ne le reverras plus jamais. Bannis la peur. Bannis la peur. Bannis la crainte. Oh, Dieu n'est pas dans la peur. La peur empêche la foi de s'exprimer. Oh, la prière a pour fondement la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Je n'ai pas entendu, vous le verrez. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commence à battre tes mains et commence à prier avec moi. Ça s'accomplira. Commence à prier. Ce soir, ça s'accomplira. Oh, brise la peur. La chorale peut monter avec moi. La chorale peut monter avec moi. Tous les autres noms disparaissent. Sous le ciel ouvert, les paroles de Dieu vont s'accomplir dans ma vie. Ce soir, sous les ciels ouverts, les barrières vont s'abaisser. Ce soir, sous un ciel ouvert, les limites vont être repoussées.
lancer ce soir sous un ciel ouvert. Oh, la malédiction va tomber. Ce soir sous un ciel ouvert, je vais avancer. Ce soir sous un ciel ouvert, je vais progresser. Tu vas prier ceci. Tu vas prier dans ce sens, dans cette direction. Tu vas dire à Dieu, donne-moi un esprit de prière. Donne-moi un esprit de prière. Tu vas dire dans l'église, répands un esprit de prière. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Est-ce qu'on peut battre nos mains pendant la prière? Et demande à Dieu. Demande à Dieu. Ce soir, je te demande. Donne-moi un esprit de prière. Dans la saison que je traverse, dans la saison que je suis, dans laquelle je suis, je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi un esprit de prière. Dans mon église, répands un esprit de prière. Parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les jeunes, répands un esprit de prière. Dans la saison du ciel ouvert, nous voulons prier. Dans la saison du ciel ouvert, nous voulons déclarer. Dans la saison du ciel ouvert, nous voulons posséder. Vous sentez comme une lourdeur. Tout à l'heure, je vais prier pour vous. Mais je voudrais d'abord qu'ensemble qu'on prie. Vous brisez les chaînes qui empêchent l'esprit de prière de couler. Élève ta voix et prie avec moi. Au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toute personne qui voudrait expérimenter le sujet.
domaine quelconque, peu importe le domaine, est-ce que tu peux t'avancer? Avance-toi. Tu veux expérimenter. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Je sens une grâce ce soir. Je sens un esprit de prière fortement qui est relâché par, la, par le Seigneur. Par le Seigneur ce soir. Levez vos mains, vers Dieu. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il y a une soif qui est en train de naître dans les cœurs de beaucoup de personnes. Une soif qui est en train de monter. Et le Seigneur, oh, Rebo Shara, Renara Sara, Saint-Esprit. Décision de te lever, tu sens une lourdeur. Mais pendant que je parle, la gloire de Dieu est en train de venir sur toi. La gloire de Dieu, je vis trois personnes. Il se peut qu'il y en ait plusieurs, mais je vis trois personnes. La grâce de Dieu, elle est en train de venir sur vous ce soir. Prenez la grâce de la prière.
prenez l'impactation. Prenez. Je dis prenez. Prenez au nom de Jésus. Où sont ces sentinelles? Où sont ces sentinelles? La gloire de Dieu vient sur toi. C'est trop fort. Tu ne pourras plus. Tu vois, ton sommeil se coupera la nuit. Parce qu'il y a un appel à la prière. Dieu t'invite dans sa présence. Tu ne comprendras rien. Il y a comme une force qui va te pousser de sortir de ton lit et de commencer à prier. Et prier, et prier, et prier. Il y a une onction de la prière. Une onction de Dieu sur toi. Prends-le. Les sentinelles. Oh my God. Les sentinelles de Dieu. Les sentinelles de Dieu. Dieu vous suscite. Dieu vous suscite. Dieu vous suscite. Dieu vous oint. 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 C'est une nouvelle saison pour cette église, pour ce ministère. Dieu vous oint pour être tenir à la brèche. L'onction de Dieu est en train de venir sur vous. Oh, c'est trop fort. C'est trop fort. Tu vas prier avec des paroles de connaissance. Tu vas prier avec des révélations précises. Le ciel est ouvert. Dieu est en train de t'amener dans une dimension prophétique. Voici l'Esprit de Dieu. Et elle arrive sur toi. Maintenant même. Il y a un embrasement spirituel. Seigneur, je prie, comme à la Pentecôte, il y a eu un bruit et l'Esprit est descendu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur te remplisse maintenant. Que le Seigneur te remplisse maintenant. Que le Seigneur te remplisse maintenant. Oh, je vois quelqu'un que Dieu est en train de remplir de la tête aux pieds. Tu as un appel puissant. Un appel puissant. Dieu te remplit de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Prépare-toi à une grande œuvre. Prépare-toi. Sois formé, équipé. Parce que Dieu a besoin de toi. Oh, une saison nouvelle. Retachata rabo. Percée surnaturelle. Fais-le, Saint-Esprit. Toi qui vivais des blocages par la puissance de Dieu, maintenant que la main de Dieu se pose sur toi et que toutes les portes qui étaient fermées, que tous les blocages mystiques, il y a une main noire qui poursuit la vie d'une femme. Une main noire. Je vois une main noire suite à la jalousie. Il y a eu des choses qui se sont passées dans votre famille. Il y a eu comme des injustices dans le partage des biens, dans le partage de l'héritage. Et cela a entraîné une haine et une jalousie dans le camp adverse. Et il y a beaucoup de paroles qui ont été relâchées, libérées. Si c'est de, tu sais, c'est de toi que je parle, viens vite devant moi. Viens vite devant moi. Je voudrais prier pour toi. Il y a une malédiction qui a été relâchée dans le monde spirituel. Et tu sens comme une résistance. Les choses semblent avancer. Tu fais deux pas en avant. Tu as l'impression d'en faire cinq en arrière. Il y a comme une réclamation dans le monde satanique, dans le monde démoniaque. Le Seigneur veut briser cela aujourd'hui. Approche. Charabo Koliabasana. Seigneur, je prie pour cet homme. Je prie pour cet homme. Je prie toute malédiction qui a été relâchée, libérée sur sa vie et sur sa maison, sur sa famille. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où cette main opérée, change, que cette main se retire maintenant. Maintenant, je prie que la main de Dieu, la main de gloire et de grâce, la main divine, vienne se poser
descend sur lui et sur sa maison. Seigneur, pour mettre fin à toute malédiction et emmener un cycle nouveau, un processus nouveau de bénédiction dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et que sa bonne main soit toujours sur toi et sur ta famille. Au nom de Jésus. Quand il descend, oui tout s'arrête, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds, les sourds, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Oh, les maladies s'enfuient, les maladies. Les paralytiques sautent de joie. Oh, les stériles, les stériles enfants, les sourds, les sourds, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Oh, les maladies, les maladies s'enfuient. Oh, oh, les aveugles voient. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie. Saint-Esprit,
les aveugles voient, les paralysés sont de joie. Saint-Esprit, je ne veux pas juste les stériles enfants, je veux aussi recevoir ma part. Le souffle en toi, je suis presque disposé. Par sa puissance, par sa puissance, par le Saint-Esprit, les maladies s'enfuient. Merci, les aveugles voient. Les paralytiques sont de joie. Merci Saint-Esprit. Les stériles enfants, le sourd entend. Par sa puissance. Merci Saint-Esprit. Nous sommes disposés ce soir, Saint-Esprit. Nous sommes disposés ce soir, Saint-Esprit. Je veux aussi recevoir ma portion. Je veux aussi être rempli de toi. Je veux recevoir ce que le Père a donné pour moi ce soir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi plus qu'auparavant. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, pour prier, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, pour savoir dans quelle direction prier, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, tu es mon assistant. Tu m'aides. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je crie à toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je suis disposé, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je crie à toi. J'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Je crie à toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. Besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton soutien. Besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Je crie à toi. J'ai besoin de ton aide. Parce que c'est ta force. J'ai besoin de toi. Ce soir, j'ai besoin de toi. L'adversité, mais la victoire est dans notre camp. Je prie et je relâche cette grâce au nom de Jésus et qu'il touche nos vies et qu'elle affecte tous les domaines de nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait des percées, qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait des avancées, des poussées.
pousser, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des ouvertures des portes, à quelque niveau que ce soit, que la bénédiction de Dieu qui vient du ciel par le Saint-Esprit soit relâchée au nom de Jésus. Et je prie pour cette église, je prie pour ce ministère, je prie pour l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le docteur Michaud, son épouse, pasteur Sissi, tous les pasteurs, le pasteur Harry, pasteur Aubin, et tout le corps pastoral, et toutes les extensions, que cette parole, cette grâce soit relâchée et qu'elle coule davantage pour des grandes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, alléluia, acclamer fort pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer, alléluia, acclamer fort pour le Seigneur? Est-ce que l'église peut acclamer Dieu? Alléluia. Est-ce que l'église peut encore faire plus? Alléluia. Je pense que nous pouvons faire plus de bruit que ça. Gloire à Jésus. Gloire est-ce que Jésus. Tu peux faire mieux que ça? Ah. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ah. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Lorsque Jésus. Tu l'acclames, tu regardes que le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, alléluia, dans cette atmosphère de ciel ouvert? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Ah. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu. Alléluia. Lorsque tu regardes, tu vois que le ciel est réellement ouvert. Yes. Lorsque tu regardes comme ça, que le ciel est réellement ouvert. Yes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Nous disons un grand merci à apôtre Douglas et maman. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et merci aussi à mon ami personnel, mon pasteur, pasteur aimé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous avons été bénis le dimanche. J'ai suivi même moi-même les messages des dimanches du wow. Et ce que Dieu fait, on était à Sudbury avec pasteur Papicho, là-bas aussi c'était toujours le ciel ouvert. Amen. Donc c'était le même thème. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Alors le ciel est ouvert pour tous les sénatrices et tous les sénateurs. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Lorsque le ciel est ouvert, c'est-à-dire que la terre doit obéir. Je répète encore, comme le Seigneur a décidé de laisser son ciel ouvert, toutes tes prières seront exaucées dans le nom de Jésus. Amen. Parce que la terre doit obéir. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Rapidement, nous allons passer pour les offrandes, les dîmes ainsi que les actions de grâce. Si nous avons besoin de l'enveloppe, nous pouvons juste lever la main et l'équipe des protocoles vont nous servir. Si nous avons besoin des enveloppes également, alors si nous avons besoin de la machine, nous pouvons utiliser la machine qui est à côté avec la sœur Dorothy, ou soit les informations qui sont sur l'écran, et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants de ces moments que vous nous avez accordé de venir dans ta maison, et nous rendons grâce et nous te glorifions. Voici maintenant venu le moment où nous vous présentons, Seigneur, ce que nous avons apporté sous forme d'action de grâce, dîmes ainsi qu'offrandes. Nous prions que toi seul puisses l'agréer, que cela puisse servir pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous serons en train de remettre rapidement les offrandes, je voudrais juste nous rappeler, le vendredi, nous sommes ici pour notre étude biblique à partir de 18h30. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur la prière. Et nous venons aussi d'écouter ces bons messages sur la prière. Alors venons ensemble le vendredi, à partir de 18h30. Et ensemble, si nous avons des questions, toutes préoccupations, par la grâce de Dieu, bien sûr, sur base de la parole de Dieu, nous allons avoir la réponse à nos préoccupations. Mais également, les dimanches, nous sommes ici à 9h pour les anglophones seulement en anglais, culte en anglais, à partir de 9h juste. Et le culte qui va suivre à 11h, c'est pour le francophone. Amen. Et juste rappeler aussi pour les sénatrices, votre veillée arrive à grands pas. Donc le 2 septembre, à partir de 23h, toutes les sénatrices, s'il vous plaît, venez en grand nombre prier ensemble avec toutes les mamans, c'est-à-dire les femmes âgées de 18 ans et plus. Donc on insiste, c'est 18 ans et plus, tout ce qui est 18 ans et plus. Ici, le 2 septembre, à partir de 23h pour la prière. Mais aussi, nous voulons rappeler à toute l'Église que les paniers sont disponibles pour soutenir notre équipe de l'évangélisation. Comme vous le savez, l'équipe d'évangélisation va sortir le 8 octobre prochain. Alors nous voulons non seulement évangéliser, mais aussi assister les familles qui sont dans les besoins. Alors nous avons besoin de tout ce qui est d'arrêt non périssable. Nous pouvons donner les vêtements, que ce soit les vêtements d'hiver, les vêtements de printemps, tout ce que nous avons à notre possession, ou soit encore si nous voulons donner un peu plus, nous pouvons toutefois contacter Papa Bonin pour ample information, mais aussi la sœur Audrey Massois.
Alors nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout pour clôturer notre service de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui a laissé son ciel ouvert? Alléluia. Notre Dieu a ouvert le ciel. Est-ce que nous, ensemble, nous pouvons bénir le Seigneur et lui rendre des actions de grâce? Merci, Seigneur. L'Église est en train de dire merci à Dieu. Merci. Ah oui, Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait ce merci soir. Parce que ce soir merci encore, pour ton œuvre dans nos tu nous as soir. Équipés. Merci et merci parce que tu as équipés. Ouvert à jamais le ciel pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Nous te bénissons parce que, Seigneur, plus jamais ce ciel restera ouvert et personne n'a le pouvoir ni l'autorité de le fermer. Et nous prions, Seigneur, comme le ciel est ouvert, que nous puissions voir la pluie de ta bénédiction. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, alors que nous voulons partir de ces lieux, laisse que ta bénédiction nous accompagne. Laisse que ta bénédiction soit la part de tout un chacun de nous et que cette bénédiction nous accompagne jusqu'à nos demeures. Alléluia. Nous prions ce soir pour dire, Père, que ta bénédiction soit notre partage. Que ta bénédiction soit notre partage ce soir. Alors que nous voulons partir de ces lieux, tu as dit dans ta parole, c'est toi qui bénis le départ et l'arrivée. Seigneur, bénis notre départ de ces lieux et notre arrivée à la maison. Que ta grâce soit avec nous. Et que l'amour que tu as manifesté par ton Fils Jésus-Christ soit notre partage. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée.